Nous, on a une équipe pour faire du football. Tu n'as pas peur? Nous, on a une équipe. Ouais. On a une équipe pour faire du football. Tu peux nous acheter un football. Ah, il est pas ça. 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 Il est pas ça
Et puis essayez de... Amadou est fille, avec des pertes de carité, donc pour pouvoir construire les maisons. Donc cette boule a plus de 200 ou 250 ans. Bon, maintenant ce sont des briques horizontales. Voilà. Des briques horizontales. Bonjour.
Donc avant aller faire de la guerre, donc c'est les masques qu'on fait sortir pour danser avec pour les braves hommes. Voilà. C'est ça avec les couteaux, les deux couteaux à côté. Et les gris-gris. Ça là, ça les gris, c'est contre toutes les mâles. Si on te tire avec des balles, ça ne rentre pas. Ça te trouve pas quoi. Non, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. 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 Il y a la poterie. Si tu ne donnes pas de grigara là, c'est gagné. Okay.
They never tourist coming, they ask money. Yeah. Before they never not money. Yeah, they just want, can you do the picture, and they're happy. Yeah. They don't know why the picture. You know? And now if you want to do the picture, you can go. Yeah. The reason. That's the lady. De grossesse ou s'ils sont gravement malades, ils viennent ici pour rester pour une semaine ou un mois s'ils sont à l'état de grossesse. C'est la médecine traditionnelle de Gigibombo. Et en haut, vous avez les poteries qui ferment et mettent des mille. We call that Ndogon Gina. Gina is called the big family in Ndogon. Yeah, yeah. Gina called the big family in Ndogon. And is the people who is the all in village who is staying in this house, and they said they welcome everybody. You understand? The and the wife who of the, your family, the, you don't have police here, not the justice. You just have Dogon people. Oh, yeah. Convoke all the people, the young, the men people, not wife, just men people. Yeah, yeah. Just we call Dogon, and you come. You can. Discuss your problems. You discuss your problems. Okay. And the game, you just if you discuss, you put in the game. To do the game. And after, if you be angry, yeah. Tap la tête. Come on, the anglais. Tap la tête. You have head to go. You start your hoof. Take the bulk. Yeah. After the problem is finished. Yeah, yeah. That we call the toguna. Go up the bubble. No, for the. Fruit, they come. You know the fruit. They make. Il fait les semis avec le coton. Oh. Entre eux, c'est comme Nene et Toulonge entre moi. Any kijk, dat is wat hij aan heeft. Dat maakt hij wat de andere meneer aan heeft. Nico Sambi Segindu. Est-ce que tu comprends? Ils sont âgés. Quoi? Appelez quoi à Corolido? Ils parlent Bambara. Ah bon? Ils sont âgés. Merci. Ghana. Ghana, Ghana. Ghana. Ghana in Dogon language. Ghana. Merci, Ghana. Eh, Ghana. Ça, ça veut dire 70 ou quoi? Eh, Ghana. 70, ou combien? 47. Vous êtes deux fois moi. Oui. 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 Le
Oh, yeah, I'm young, yeah. Yeah, they said you're the one. God said that they look very wise. Ewa, kale mo mundo mo ba, mundo mo. And I've got to learn a lot of life. Yeah. I've got to learn a lot of life. Yeah. We do. Tene un over the photo lagui ngo. You like it? It's very smooth. Is that America? The mom and the Mali, the new wife, the family man. Yeah? Yeah. And they came in Mali. Yeah. Yeah. Really here. Yeah? Yeah. Perfect. Hindi boy? So difficult. Down is like, you know. Thank you.
Antara ini bukan anda. Walia. Ini tu Walia. Amat free, engkau jilu ka free? Eh jilu free, tak pun jilu asal. Nelaga itu, nengah itu demi Allah demi. Vas-y. Le centre de cours, Laurent, il s'assoit, si ils accueillent les gens comme ça, et ils parlent tout qu'il faut. Et ici, vous avez le serpent, on l'appelle le serpent walen. Tu vois, le serpent walen. Le serpent walen. Et là, le serpent, il est toujours gardé par Ogon. Il se protège avec le serpent. Et le serpent le garde toujours, tu vois. Et le serpent, Logan, il ne se lave pas avec de l'eau. Le plus bon, le rouge, il fait le sacrifice aussi. Avec le mouton, soit le chicken. Ogon. Yeah. Animist people who give the sacrifice the animal and they put in les dents quoi, il met ici comme les sacrifices. They give a sacrifice and organ eat that. The organ, okay. The new thing because the organ gives sacrifice to the oil. Okay. You understand? Yeah. I
là, le petit trou que tu vois, c'est pour mettre les choses très importantes. Là-dedans, hein? Ouais. Dans le trou, il garde comme la grenier, le small grenier. Il put in the things importantes. Pour food, hein? Yeah, not the food, the things, the sacrifice things, important. Okay. He put in the side and close the door. Oh, yeah, inside. Okay. And that's the painting who make it every 16 years. Every 16 years? Now not. Every 3 years they make a new one. Okay. And that caused the mask who dance, the people who have 16 years, they die, they make a festival, big all festival, right. The okay. Mask, they dance. Mm-hmm. Okay. That is the, like it is, the climb up and the cemetery is down. Oh, yeah, there, yeah, 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 I see. And the cemetery up there. Okay. Ici, il y a un grand problème dans le village. Il vient, il fait le sacrifice pour que le mauvais passe. Et si ils ont un grand problème, ils viennent voir. C'est le chef supérieur de Dogon à Indé, ici. Il est le plus âgé. They are happy. They said welcome anyway and thank you for everything. They said have a good day and rest in Mali and good travel. And they are very happy for this. Il dit soyez le bienvenu et la manière dont tu es venu le trouver en bonne santé, il te souhaite bon retour chez toi et tu trouves toute la famille vont très bien chez toi. Je te souhaite bonne chance au Mali et bonne séjour au Mali. Je vous souhaite aussi une bonne santé, de vivre très bien, très longtemps. Et donc, un peu plus tard, c'est ça. Thank you.
Nous rencontrons d'abord beaucoup de problèmes avec les enfants. Nous avons de la peine quand même à éduquer ces enfants parce que ce sont des enfants qui sont ici de la rue. Donc il faut s'occuper de ces enfants qui ont besoin de l'amour. Ensuite, on a des difficultés aussi avec ces enfants dans la rue au moment des actions rue. Hors de tout cela maintenant, nous en tant qu'éducateurs, je disais qu'on a des problèmes de formation parce qu'au début, du projet, en avril 95, on nous a envoyé d'abord au Caritas. On avait suivi là-bas un stage. Chacun a suivi un stage d'un mois. Nous étions deux qui s'étaient partis là-bas. Même la fait des études quand même, proprement dites, sur l'éducation des enfants. On n'a jamais fait une école d'éducation. Bon, on n'a pas reçu aussi des éducateurs spécialisés pour venir nous former ici au niveau de la région du Mopti. Donc nous avons ce problème-là aussi. Parce que... journalier. Donc dans ce registre, c'est-à-dire on a registre là, j'ai tous les enfants qui viennent au centre ici. Tous les enfants qui passent la nuit. Et tous les enfants qui viennent comme ça s'approvisionner ou bien c'est-à-dire pour leurs besoins et puis qui retournent. Donc on considère ces enfants comme les enfants qui ont passé peut-être la journée. Hey, je comprends. Voilà. C'est ce que vous faites, les gamins. C'est former un groupe, c'est participer au groupe, regarder chaque fois autour de soi, affirmer la réception, chacun son tour de vous donner, un par un que dans le groupe, que chacun a la parole, à tour de rôle, préparation égale, coopération, donc création commune entre les assemblées, c'est ce que vous faites ici, vous faites les jouets. Former une opinion. Donner, accepter, échanger, examiner les opinions, donner du contenu, proposer, donc vous avez vraiment une proposition, développer, discuter en profondeur, vous allez là, changer ça, là, voir autrement. Et quand tu te vois par après, tu as moyen de voir ce qui s'est passé. Et d'en parler avec les gens, et à ce moment-là, de dire, ouais, je voudrais là, prendre comme ça, ou demander à un autre comment tu pourrais en changer, si tu as un cas par là. Dans ma foi, tu te dégages également pour toujours être réceptif dans ce. Que vous puissiez, par exemple, de mieux en mieux communiquer avec les marabouts, pourquoi ça se fait comme ça. Parce que là, c'est de les convaincre. Et à mon avis, au niveau traditionnel de religion, la religion reste à part. C'est un moyen d'éducation psychologique, je dirais, dans les écoles coraniques, qui peut être bonne, mais qui doit aussi s'adapter au temps. Bon, il y a des corrections à faire. Allô, Youssoufi. Machal, Machal. Machal. Moi, Awarina. Machal.
Bonjour, mon ami, comment ça va? Il est à l'école. À l'école. En deuxième année. En deuxième année. Il était premier de sa classe avec 9 de moyenne. C'est lui le premier. Oui, oui. Le premier de sa classe avec 9 de moyenne. Oui, oui. Amadou Sissi. Bon, lui, ce Korka Konta. Bonjour, comment ça va? Korka Konta, il vient d'arriver il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Avant-hier, non? Il est venu mardi. Il est venu mardi. Est-ce que tu l'as placé quelque part? Le réparateur Mouta Mamoudou. Hein? Mamoudou Maïga. Tweede klasse, hij is tweede van de klas. Cinquième. Ça c'est Bamoui. Bamoui Maïga. Bonjour, comment ça va? Il va bien? Il était en sixième. Bon, il a fait l'examen, malheureusement, lui, il n'a pas passé. Mais il dit que l'année prochaine. La prochaine fois, l'année prochaine, il va réussir. Ouais. Chaka. Bonjour, Chaka Diko. Chaka. Lui, menuisier métallique, soudeur. Menuisier métallique. Alors, lui, il a peut-être 16 ans ou 17 ans. Mais on l'a eu depuis qu'il avait 13 ans. 13 ans, ah, il tente déjà ici. Il y a 4 ans qu'il est avec nous. Donc, nos perspectives, justement, c'est là. Lui il y a 4 ans qu'il fait ça. Alors, maintenant, il a appris quelque chose. Bon, il est grand, mais on ne peut pas le laisser chaud là. Il faut qu'on continue. Ok. Bon, ici, on a les mêmes documents que là-bas. Oui, oui, je comprends. Voilà. Et je conserve cette résistance, ils vont vous dire, disons, le contour. Bien. Alors, c'est la cuisinière. Ah oui. Elle s'appelle très propre. Ici, c'est la cuisine. C'est là qu'on prépare à manger aux enfants. On va prendre de l'eau de robinet. Et vous avez et là-bas, c'est les toilettes. Oh, oui. Les toilettes là-bas. Là, j'ai les toilettes. Non, on va pas faire rentrer dedans. Et le voile, oui, vous avez marre de voir ça. Et je vous potager aussi, là. On fait du gombo, de la salade, et puis quelquefois de la tomate, là. Bien. Joseph Keita. L'ouverture, c'est le 1er 11 mars 1996.
Donc, depuis l'ouverture, nous avons pu accueillir 336 enfants. Sur ces 336 enfants, on a pu fichier 196 enfants. Parce que nous avons des fiches individuelles ici. Ok, oui, oui. Donc, sur ces 136 enfants, il y a 17 qui ont dormi la nuit d'hier. La nuit du 11, il y a 17 qui ont dormi ici. Bon. Le nombre d'enfants ayant dormi au moins une fois, il y a des enfants qui viennent au centre des gouttes. Bon, une fois, s'ils n'ont pas de gouttes, ils repartent. Mais il y a ces gens qui dorment ici au moins une fois. Ils sont au nombre de 217 personnes. Comme le but du projet même, c'est de retrouver l'enfant chez lui. Ouais. Donc, le retour à la famille, on a pu retourner 128 personnes. Les talibés, les enfants des maîtres coraniques. Les maîtres coraniques. La plupart du temps, c'est là qu'il y a quand même. Qui viennent, qui font le centre comme un passage bas. Lieu de passage. Parce qu'ils viennent maintenant dans le village maintenant. Nous avons carrément des enfants de la rue. Donc, ils sont venus maintenant pour le marché hebdomadaire là. Maintenant, avant d'aller chez eux, maintenant, ils passent l'année au centre des coutumes. Mais chez nous, maintenant, c'est les enfants typiquement de la rue. Il y en a qui sont de Bamako, il y en a qui sont de Mopti, il y en a un qui est de Mopti, celui qui a le dos de Vermont. Maintenant, il y en a le Rougeau là, qui est de Bamako. Bon, celui qui est un peu devant lui, il est de Kuchala, c'est nous avions même de Burkinabé. Il y a des retours maintenant qui ont réussi, il y a des retours qui ont échoué aussi. Parce qu'on a tout fait maintenant pour gérer les parents. Bon, mais l'enfant, une fois retourné chez lui maintenant. Après, ça va, ils ont le foyer de deux familles. Non, on n'a pas le foyer. C'est prévu, mais ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas encore arrivé. Hein? Mais donc, les retours qui n'ont pas été chez nous, c'est un presque il est issu et il va à l'école avec les deux. Mais c'est pour faire la différence seulement entre la vie de la famille et la vie du centre des coups. Cette situation là chez eux, les enfants ne le montrent pas du doigt que tu es venu de. Non. Il est comme les autres. Non, c'est bon, il va reprendre beaucoup. Oui, beaucoup. Ouais, c'est ça. Il a perdu. Bon, oui, c'est un petit choc, mais. D'amour, bon, il a perdu, etc. C'est ce que je veux dire. Bon, ça ne dirait pas tellement grand-chose. Si les enfants n'ont pas que tout maintenant, sur lesquels maintenant ils se basent maintenant pour construire leur vie. Donc ça, c'est normalement dans le foyer, le type familial. Le nombre d'enfants maintenant, bon, ils sont vraiment sans soutien familial. Donc maintenant, leur seul salut maintenant, c'est le projet. Donc le projet aussi n'a pas les moyens financiers maintenant de les prendre en charge. C'est le côté que. Et comme moyen financier, quel autre idée on parle de. Quel est le second pour l'école de la paix. Donc c'est une petite fondation en Hollande et on voudrait avoir des contacts dans le monde entier. On essayer d'avoir des contacts dans différents pays. Le parrain de la législation, c'est le grand con à vous enquêter, on a demandé le parrainage de Mandela. Ils ont des. L'Afrique du Sud, oui. Ici, j'ai dû faire des copies parce que nous n'avons plus qu'un exemplaire. Je vais t'en donner un ou deux, quatre fois. C'est la même chose, c'est ça? Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Et je voulais, c'est une méthode de communication de base qui se fait ou avec un moyen vidéo. C'est-à-dire c'est chaque fois d'essayer d'améliorer toute la communication. Ou au niveau de l'âge de l'enfant en très jeune, il y a d'interférences et par exemple après une discussion entre les formateurs ou en recevant une vidéo ou même simplement en parlant. Je veux voir, bon, voilà, là, il y a eu des passages qui sont maintenus. Ça arrive au fur et à mesure, donc ça peut se faire également avec les enfants, et d'arriver à avoir une plus grande compréhension, au niveau des enfants, ou entre les formateurs, pour pouvoir améliorer le niveau de communication. Et le point, ça peut se faire également, par exemple, à Ezika Mopti. Bon, c'est vrai pour les problèmes avec les marabouts, etc. Bon, les problèmes entre société moderne et société traditionnelle, de voir de quelle manière de pouvoir améliorer le contact pour pouvoir faire passer le message
d'accepter une sorte de développement de conscience, du problème. Également, par exemple, pour la commune, de dire, bon, hein, il faut prendre plus attention, essayer de, à chaque contact, arriver à ce que le message soit mieux reçu pour pouvoir que l'autre personne prenne conscience. Et bon, c'est appliqué dans les familles en crise également, par exemple en Hollande, et ça marche, je dirais, ça améliore beaucoup, c'est-à-dire que bon, une fois où, quand on se voit à la télévision, on prend à distance de ce qui s'est passé, et on peut aller de plus en plus profondément, corriger un aspect du caractère, un conflit tendu ou agressif, de rechanger le point. Et ce qu'on veut voir, avec la petite impression qu'on a eue quand j'étais venu dans ma vie, c'est d'arriver à faire des échanges et des contacts et de pouvoir ou faire une formation ici, d'aider les formateurs de niveau de l'éducation. Et une fois qu'ils sont lancés, bon, c'est un outil supplémentaire. C'est ce que vous voulez qu'on approche, mais on comprend. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que ça peut vous aider? Oui, ou vous pensez que ce n'est pas nécessaire? Quelle est votre opinion? Oui, mais non. Une formation en plus, toujours, est possible. Nous, on l'accepte. Parce que la communication même, bon, on n'est pas déjà formé pour faire ça. Ouais. On a fait un petit stage d'une semaine, et jour, on a commencé le travail, ça fait 3 ans que ça va. Ouais. Et Dieu merci, ça marche. Ça, c'est parce que le niveau intellectuel aussi n'est pas tellement bas. Ouais. Donc, on a été peut-être des communicateurs un tout petit peu à l'école jusqu'à maintenant. Ouais. Donc, qui a assis à l'amélioration pour ça? C'est l'amélioration. C'est un haut déménagement. Mais j'ai été demandé, ça avance. Sinon, le trésor était là il y a un peu longtemps. Non. Ouais, tu peux aider. Tu peux aider pour lui. Ah, mais. Ok, tu peux le voir. Ah, tu peux le voir. Actuellement, nous avons dans le mur un biomètre donc, qui est là pour installer les appareils. Ah. Voilà, actuellement. Donc, une fois qu'il finit demain, en principe, il est venu de Côte d'Ivoire. Donc, une fois qu'il finit l'installation, nous allons commencer l'hospitalisation. Et l'hôpital est. Quelle est la relation de la fondation et avec le système normal, je dirais, de Bamako? C'est un hôpital spécialisé pour enfants. Pour enfants, hein. Spécialisé pour enfants et la mère. Et la mère. La mère. Donc, un bon service de pédiatrie. Mm-hmm. Donc, en relation avec les services de pédiatrie de l'hôpital d'André Touré, à Bamako, il y a un seul service de pédiatrie qui est à Gabriel Touré, au CHU. Ah. Hôpital universitaire. Mm-hmm. Donc, c'est le seul service de pédiatrie. Que si nous allons encore agrandir. Et de pouvoir faire. C'est pourquoi il y a 200 opérations. Ah bon, ouais. En bas. Et vous avez beaucoup de. La fondation. Mais le film de l'empereur. Mais c'est bien équipé, hein, vous êtes bien équipé. Oh, c'est très bien, je vous avais vraiment. Donc la salle des enfants. Ah oui. Nous sommes avec une salle d'animation avec qui vous a monsieur. J'ai vu beaucoup de panneaux hein, dans le, oui. Avec le sida. La situation, on va dire, vis-à-vis du sida. Bon,
ici, on ne parle pas à d'autres langues. On mange beaucoup. Oui. Voilà. Donc, si dans les bras, le Mali, il y a très bien. Et ça montre grandement, effectivement, avec les cas qui viennent. Alors, vous savez, il y a beaucoup de Maliens en Afrique centrale. Oui. Beaucoup. Vous avez des langues qui viennent de mer. Non, 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 on arrive vraiment très très faible, un numéro chaque fois. Ouais. Hein? Ils disent si on peut développer l'information médicale. Tu nous avais tout fini. On serait aussi important avoir des bases de l'alimentation, de la technique médicale, organiser ici des conférences, des conférences, des séminaires avec les docteurs, les environnements, les bibliothèques, les bibliothèques, Donc ils cherchent à Morocco, ils l'ont pas trouvé. Mais il est plus s'ils étaient informés des conséquences du médicament, pourquoi le médicament est utilisé, donc vous aurez compris. La médication moderne, la médication moderne en médecine. Et vous savez, les missions, quelqu'un qui doit venir en mission, si il est hollandais, il va vous récupérer à Morocco. On cherche ça aussi, communication. Si c'est possible, ils vont avoir une liste de malades. Un enfant, un malade. Alors, vous devez venir les procurer. Voici le dossier. On transmet les dossiers. On peut-être ensuite la main de l'homme finira-t-elle par s'emparer de celle de la femme. Peut-être enfin vont-ils se regarder. Ce serait signe que la vie reprend, mais il n'en sera rien, forcément.